Mes chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Émission spéciale aujourd'hui car nous avons un artiste en studio. Nous allons parler un peu donc, de l'actualité à son niveau. Nous allons parler du lancement d'album qui vient dans quelques semaines. Et je voudrais sans plus tarder vous présenter Evra Biosim, alias Ranzin du Bénin. Bonsoir Evra. Comment ça va? Bonsoir Monsieur Cham. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, je te souhaite la bienvenue. Merci. Alors donc, Evra, on va parler un peu de toi parce que je sais que tu es musicien et tu t'apprêtes à lancer ton album dans quelques semaines. Et je voudrais que tu te présentes un peu à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Hein? Et présente-toi, s'il te plaît. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup d'abord, avant de commencer, de m'avoir invité sur votre chaîne. On m'appelle Evra Biosim, alias Ranzin of Benin. Je suis béninois 100%. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le français, my name is Evra Biosim, alias Ranzin of Benin. I'm from okay. Benin. What's the meaning of Ranzin? What's the meaning of Ranzin? C'est quoi Ranzin? Ranzin, when they say Ranzin, Han mean singing. Zin mean pot. It means pot which is full with a sound. That's the meaning of the Ranzin. So it looks like you are the pot and you cooking the song. It's not mean I'm cooking the song. Like that's a God give. I'm not gonna say by myself. That's God give. When God want to give you something, He give you as you need. So He give me a lot. It mean has I have it. It's not gonna finish inside of that pot. Nice. Yeah. Alors, chers amis, vous avez compris, nous allons parler toutes les langues. Nous allons parler anglais, nous allons parler français, nous allons parler péda, nous allons parler fongwe. Et même s'il faut, on va parler goun. Donc voilà, donc ne soyez pas étonnés. Alors, ce pourquoi Evra est là aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de sortir un album. Et l'album sera lancé exactement le 25 février de cette année. Et ce sera à l'église catholique, et donc et l'adresse c'est le 1315 Olmsted Avenue dans le Bronx. Et alors donc on va parler un peu de cette actualité là, et puis on va voir un peu qui est Evra musicalement et qu'est-ce qu'il est en train de prévoir et tout ça là. Donc Evra, comment ça va se passer le lancement de cet album là? Le lancement d'abord de cet album, moi je n'ai pas la force. C'est Dieu qui décide que sa volonté soit faite le jour-là.
On a prévu le 25 février pour cet album qui va se passer. Je veux le faire, mais compte tenu des aides aussi ici, il n'y a pas beaucoup d'aides. Donc, j'ai prévu à faire un live, mais compte tenu des dépenses qui vont en venir, j'ai dû à ce que je peux le faire seulement en chose là. Playback. Okay. Oui. Ok, bon, Evra, nous-mêmes, nous avons des gens qui sont mieux dit, les Béninois, les Togolais, les Ghana, c'est Fong, c'est Geng, tout ça, c'est Peda. Arrête, nous avons dominé, nous avons dit, 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 nous avons fie mi wa gbe lo din ma o sin azowe bo mi do ten lo me gbe mi do un dope nu fofo ti re invite mi owe eswa un dope nu beaucoup d'azo to mi wa fie gbe o do lancement we un jamblo mi gbo lancement di fofo mi ton ko do di teme de ko do nu mi o mo we nu gbo de mi de ugben yo un dro pepepe ro mi na ho bo mele na wa bu na ho nle bo na mo bi le do iru nle ho egbon me alo mi wa hwi do don kon gboro ma gbo blo playback o bo prochainement bo nu mi ko organiser nle bi yo comme de nu content we yo don kon mi na blo bo na mo en live ton ok donc ni me karu nu lo kon edin bu ko ja dalo we bona zombo ana daloi bona mo horo pede ona do blum won tin bo na fe wo numero de bo na yoro a cabine ne na contacter we do bonu mere jan dalomi no lancement bonu mere dro bo na dalomi no lancement numero chedo melody card invitation de no mi man melewe numéro chedeji mais email de soudeji le fine et na yoromi o soit bonu e contacter monsieur Cham ou bien Etienne Wendy donc il peut me voir. OK, alors donc chers amis, je vais faire rapidement le récapitulatif de ce que nous avons dit rapidement en langue. Alors si et vous avez envie de soutenir Evra pour cet événement qui arrive le 25 février et que vous avez envie de faire des dons pour l'aider à réussir cette manifestation, vous pouvez donc nous appeler au 347 849 26 61. Je répète, le 347 849 26 61. Et également, et vous pouvez nous envoyer, en tout cas, les informations, je vais mettre ça sur l'émission et vous allez voir à la fin de cette émission-là. Donc, Evra Viosim alias Ranzin du Bénin, et vient donc de sortir son tout premier album qu'on appelle « Listen to the Voice ». Alors, il vous invite donc à ce lancement exceptionnel pour la première fois que nous allons avoir un événement du genre dans la communauté béninoise, dans la communauté africaine, dans la communauté des enfants de Dieu. Je crois que c'est un événement majeur. Donc, l'adresse, c'est le 1315 Homestead Avenue dans le Bronx. Et c'est le 25 février, un samedi. Et à partir de 19h précise. Alors, sans plus tarder, et je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un peu le travail que Evra est en train de faire. Il vient de revenir donc du Bénin, où il a eu à faire quelques collaborations avec les musiciens au Bénin. Et je vais vous montrer cette vidéo et nous allons revenir pour plus de questions à Evra. Evra, elle vient ici, a fait aussi des études supérieures à l'Université d'Abomey-Calabi. Mais très tôt, il a eu l'opportunité de s'envoler vers l'Anglo-Sam, c'est-à-dire les États-Unis. Et dites-vous bien que Evra faisait un peu de la musique avant de s'envoler vers les États-Unis. Arrivé là-bas, il a dû laisser cette musique qui lui était si chère pour chercher un peu de l'argent. Vous savez bien quand on est dans un autre pays, il faut s'arranger pour survivre.
Mais comme on le dit souvent, chassez le naturel et il revient au galop. Evra s'est adonné une fois de plus à la musique aux États-Unis. Et c'est de là qu'il a rencontré. Avant cela, il a eu des songes. Dieu lui a parlé. Il a eu des révélations. Il dormait et se voyait sur scène en train de chanter. Et à cet instant, il a rencontré un groupe de jeunes qui s'appelle Aklabana Toto. On aura l'occasion de savoir ce que ça veut dire dans un instant. Il a eu l'occasion donc de rencontrer ce groupe toujours aux États-Unis, plus précisément dans l'État de New York. Eh bien, c'est à travers de ce groupe, ou je dirais plutôt c'est ce groupe qu'il a révélé. Et aujourd'hui, Evra Virsim, alias Rancin of Benin. Rancin en fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement marmite de chanson. Pour dire que l'homme, il est une source intarissable de chansons. Il est une source intarissable de paroles. Rancin of Benin, c'est son surnom. Il s'appelle Evra Virsim. Il s'est consacré à la musique de Dieu, la musique gospel. Et de tout ceci est né un album. Cet album qu'il va nous présenter ce soir s'appelle Listen to the Voice. Listen to the Voice. Mesdames et messieurs, avec l'accompagnement de l'orchestre, veuillez recevoir, s'il vous plaît, applaudissements.
Eh bien, voilà donc un avant-goût donc de ce que vous allez voir le 25 février, le lancement donc de Listen to the Voice, le tout premier album de Evra Vieosim alias Ranzin of Benin. Alors, Evra, dis-nous un peu comment tu as rencontré ces musiciens. On a vu dans ce clip vidéo, on a vu des musiciens comme les frères Mwandinou, on a vu les percussionnistes comme Bonan et tout ça. Parle-nous un peu de cette expérience pendant ton séjour au Bénin. Oui, merci, monsieur Cham. Pour le commencement, je vais remercier d'abord Akrabana Toto. Donc, tout ce que vous venez de voir maintenant, ça vient de Akrabana Toto. C'est quoi Akrabana Toto? Akrabana Toto, littéralement, en fond, si on dit Akla, Akla veut dire le pain. Le pain. On dit Akrabana Toto. Akrabana Toto, c'est dit Dieu en question. C'est ça qu'on est en train de surnommer Akrabana Toto. C'est lui qui donne le pain, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout ce que nous voulons sur cette terre. Oh, yes. Akrabana Toto. Okay. Donc, ce groupe, c'est le groupe de jeunes célestes qui sont en train de lutter pour ramener la vraie valeur de l'Église céleste. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans l'Église céleste, il y a beaucoup de désordres. Et les gens donnent de noms qu'ils veulent à l'Église céleste, ce qui n'est pas. On dit le plus souvent que celui qui ne connaît pas le fond de quelque chose là, c'est lui qui trouve des arguments à dire. Je suis céleste et je suis fier. Je sais ce qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens les appellent sorciers. Il y a beaucoup de noms qu'ils donnent. Oui. Maintenant, ces jeunes-là, nous, on a décidé de ramener la vraie valeur. Donc, c'est de là que le nom Akrabana Toto est sorti. Wow. Alors, donc, il y a le groupe qui existe ici aux États-Unis ou bien c'est au Bénin que le groupe existe? Le groupe existe aux États-Unis ici et notre fondation, c'est le Haut-Bénin. OK. Mais on est ici, mais on ne sommes pas nombreux ici. Mais ceux qui sont au Bénin, ils sont nombreux plus que nous. Mais nous sommes ici, on veut, ceux qui veulent, ce n'est pas ceux-là, je ne peux pas dire adhérer, ce n'est pas un groupe. C'est ceux-là, c'est la maison de Dieu. Si Dieu t'appelle, tu vas venir et servir Dieu. Donc on est ici aussi. Donc... je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, et j'ai appris que vous faites aussi des prières et tout ça là. Et puis, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que des gens peuvent venir ou bien c'est seulement les membres du groupe? C'est une bonne question. Dans la maison de Dieu, tout le monde est appelé à venir servir Dieu. On ne rejette personne. Tout le monde est invité à venir faire cela, prier avec nous. C'est ça. N'importe quel problème que tu as pour venir. Mais nous ne sommes pas là pour régler les problèmes des gens. Mais c'est Dieu qui règle. C'est Dieu. Et si tu crois et tu as la foi, tu viens, on va faire prier avec toi, tu vas faire prier avec nous. Tout ce que tu veux, tu demandes à Dieu, il va te le faire. D'accord. C'est ça. Evra, alors, pourquoi tu as choisi le gospel? Pourquoi tu as choisi chanter et louer Dieu? Merci bien. Et c'est une bonne question que vous m'avez posée. Je pourrais que vous rentriez en moi pour les questions. Avant, je ne chantais pas gospel. Et je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Mais lorsque j'avais commencé à faire la musique depuis le pays, pour mettre ça en résumé, pour ne pas aller trop loin, j'avais commencé, mais je voyais que ceux avec qui je m'associais pour faire, ça ne marchait pas. Pour finir, j'avais eu commencé avec mon frère, mon grand frère, et on faisait la musique, on se préparait même pour faire sortir de la bombe avant que je ne quitte au pays. Et arrivé ici, j'ai dû abandonner la musique. Et bon, je ne m'intéresse pas trop, mais je me suis vu que bon, je me sentais comme si quelque chose manquait dans ma vie si je ne faisais pas la musique. Et c'est de là que j'ai commencé encore. J'ai commencé, mais je chantais pour le monde et je chantais pour Dieu aussi. Je faisais les deux mélanges. Mais tôt ou tard, lorsque j'ai rencontré le groupe Akrabana Toto, j'étais céleste avant. Mais compte tenu de désordres qui se faisaient dans l'église, je me suis retiré. Et lorsque j'ai rencontré ce groupe Akrabana Toto, qui m'a encore fortifié, qui m'a encore ramené sur le chemin, et c'est de là que j'ai vu que c'est Dieu qui m'appelait.
Et comme je ne faisais pas, je ne me suis pas sur la voie là, c'est pourquoi je n'arrive pas à arriver à cela, à la destination de ce que je voulais. Donc quand ils m'ont parlé, ils m'ont dit, toi, tu n'es pas pour, comment appelle-t-on, chanter pour le monde, tu es pour Dieu, tu dois chanter pour Dieu. Et effectivement, c'est de là que j'ai pris la voix de Dieu. Ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, ils vont voir que je chantais même aussi les chansons de la société avant. Mais maintenant, s'ils voient l'album que j'ai fait maintenant, ce n'est rien que Dieu que j'ai loué dedans. Donc, c'est ce qui m'a amené à suivre la voie du gospel. Mais je profite de l'occasion pour te dire que tu as fait un très bon choix, parce que remercier Dieu, je crois que c'est la chose la plus normale pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et je profite de l'occasion pour dire également de mon côté, merci Seigneur pour toutes les opportunités que tu nous offres et je te soutiens dans ton choix. Alors je souhaiterais que, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, je voudrais que tu regardes dans cette caméra-là et que tu dises en PEDA, hein, que tu invites les gens, tous ceux qui parlent PEDA, qui sont à New York ici, que tu les invites au lancement de ton album. Merci. Idokwena mi metete bino vino le mi emeno do tomi ne gan ho ile mele no yiro mi ni ami to anwa glegle ni ami wa ne ami lo pogol bai lancement hilo ho no vie mo le yiro mi metete le gan yo to me fi le pepe mi le o mi ba ne mi anu pe mi wa sinu yebe melopo no pe wa awazan yebe olo Olo di olo de jio e mi adu koko ajala la zian bo son jiwri e mi ambo e lo be union ki fe la force e mi ambo pin wa atin wa zan do mo lo po mo pin ja wa zan donc on de pe na me siame I think everyone for my first album release will be on February 25th. I invite everybody to come, let's dance for God, let's sing for God. Let's praise the God. He is the only one. He is the way. He is the only way we can be. I thank everyone who is watching this at this moment. Thank you so much. Alors, merci beaucoup. C'était donc Evra Viosim alias Ranzin du Bénin, donc qui va faire le lancement de son tout premier album qui est intitulé Listen to the Voice. Donc, vous invite fraternellement à son lancement. Ce sera donc le samedi 25 février 2017 à partir de 19h. Ce sera à l'église catholique 6 au 13 15 Homestead Avenue. Ce qui est sûr, nous allons placer l'adresse à la fin de cette émission. Je vous invite massivement. Nous serons également là pour soutenir l'événement. Je vous invite massivement à venir soutenir cet événement, que vous soyez béninois, que vous soyez PEDA, que vous soyez africain, que vous soyez américain, que vous soyez citoyen du monde. Je crois que c'est l'œuvre de tout le monde. Tous les amis de Vora qui suivent cet élément-là, je vous invite vraiment à venir soutenir donc, ce lancement d'album. Et je voudrais une fois encore dire merci à notre partenaire, à notre grand frère, à notre ami, à notre grand soutien, Étienne Ouédénou, qui est également sur ce projet. Je voudrais dire merci à Étienne. Et nous allons finir donc cette émission encore en musique. Et je vous prie d'écouter ceci.
Merci beaucoup, chers amis. Merci. Merci, merci, merci. Alors, Evra, donc, c'était toi. Magnifique. Alors, un dernier mot et on clôture cette émission. Oui, je remercie Monsieur Cham et je remercie l'Éternel Dieu qui est avec nous et qui nous a confié son œuvre et il est avec nous. Et je remercie également, sans lui on ne peut rien faire. Et je remercie et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci. Alors donc, c'est la fin de cet entretien avec Evra Viosim, alias Ranzin. Alors, rendez-vous, chers amis, le 25 février, c'est un samedi. Alors, en réservez cette date-là, nous allons faire la fête, nous allons danser, nous allons louer Dieu. Tous ceux qui aiment, ce sera dans la maison de Dieu et que nous allons faire l'événement. Et vraiment, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.